Est-ce qu'on en finira par l'avoir, cet enfoiré de merde? Le creux de limier est toujours meilleur, putain, c'est incroyable. Une arme de merde, mais c'est la meilleure. J'essaie de me concentrer, de faire un combat correct. Hein. Bon, bouclier des empreintes magiques, boosté à plus 20 quand même, quoi. Et creux de limier. Bon, ça a l'air de mieux encaisser quand même le bouclier. Ah la vache, ouais, mais bon, voilà, rythmique. Ça devrait quand même être un peu plus prenable qu'avant. Ouais. Au niveau consommation d'endurance, là, je vois vraiment la différence. J'ai bien fait de le booster quand même, quoi. Je suis bouclier des empreintes magiques et mon croc limé plus 10, quoi. Parce que je peux pas l'augmenter au-dessus, de toute façon. Puis là, le masque, c'est quoi? J'ai gardé le truc de Radan. Tête de bête divine, parce que ça a l'air plus résistant à la magie. Là, mon arsenal, quoi. Et là, bouclier des empreintes sacrées plus 20, quoi. Ouais, là, ça va le faire. Ça va passer. Je suis trop con, en fait. J'aurais dû faire ça dès le début. Hein. Bah, la run, elle devrait passer toute seule, normalement. Vu comment j'en ai chié, putain. Et vu comment je le connais par cœur, ce con, maintenant, en fait, quoi. Y'a pas photo, hein. Par rapport à tout à l'heure. Hein. J'ai appris ses... Elle a appris ses attaques aussi. Là, il devrait commencer à s'énerver un peu. Hein. Ouais, je m'en doutais. Je vais pas foncer dessus parce que sinon ça va me consommer de l'endu. C'est pas ce que je veux. Pour tout surveiller la santé. Alors se méfier de la congélation par contre. Hein. Là j'aurais pu placer un coup, c'est con. Taper mon double. Il galère plus là contre moi. Mon double est plus costaud aussi. On va se le faire sans problème de merde. Il nous a bien assez fait chier comme ça. Là. Ah merde, la congélation, ça peut me tuer par contre. Je dis pas. Peut-être avoir ma peau avec ça. Bon, c'est bon, il est mort le mec. Allez, terminé. Putain de merde. Et bah voilà, il fallait simplement booster le bouclier. Quelle connerie, quoi. Il est tombé sans foire. 220 000, quoi. Je pense que je vais reprendre une sauvegarde. En bref. Non, on s'en fout. On l'a buté. Il y avait une sévère différence, quoi. Bon, bah, il est tombé, ce connard. Donc, en fait, en gros, si, avec toutes les pierres de forge que vous allez récupérer dans le DLC, si vous voulez, en fait, booster des armes, je vous rappelle, en fait, c'est ça que j'avais pas fait, pour retrouver un forgeron dans Elden Ring, c'est hyper chiant. Vous vous rendez, du coup, en fait... Vous sélectionnez la carte, vous appuyez sur R1 pour faire passer sur le monde de la surface. Et en fait, vous regardez sur la carte, ça va être ici. Vous avez un... Alors, c'est pas les pieds des quatre beffrois. C'est rive nord du lac de Lurnia. Vous vous téléportez ici, route du manoir, Gilles le conseiller de guerre. Et en fait, vous avez un forgeron qui est juste là, quoi. Et c'est là que vous pourrez booster vos armes, quoi. Ouais, il est tombé, ce connard.
Mais sans problème, hein. Putain, le bouclier là, par contre, il est vraiment violent. Là, il fait vraiment le café là. Et j'en avais vraiment sacrément besoin. Je vais tout foutre dans l'endurance. Bon, eh ben, il est tombé ce fumier. Facile en plus, c'est le pire.